الإسعافات الأولية دورا رئيسا في إنقاذ حياة العديد من الناس في حال تعرضهم لحالة صحية طارئة أو كارثة طبيعية وغيرها من الحوادث التي تحتاج لرعاية وعناية أولية وفورية مؤقتة. في هذا المكان بالعاصمة الفرنسية باريس يحرص الاتحاد الوطني لجمعيات المنقذين والمسعفين على تكوين شباب متطوعين وتلقينهم أساليب وتقنيات العمل الميداني. نفس الدور تسعى هذه الجمعية أن تقوم به في المغرب من خلال توقيعها للعديد من الاتفاقيات والشراكات مع جمعيات مغربية مختصة في الإسعاف والإنقاذ. L'Union nationale des associations de secourisme et sauveteurs dans le Nord existe depuis 43 ans. Hein, donc ça a été des gens de la fonction publique, c'est-à-dire des gens de la Poste et des gens de France Télécom qui ont mis en place cette association. Elle s'est développée, elle s'est retrouvée dans les années 80 agréée par le ministère de l'Intérieur, elle s'est retrouvée agréée aussi par les préfectures. Donc on a un potentiel, on est passé au niveau professionnel puisqu'on est passé également sur le secourisme, le sauvetage du travail. Et on est vraiment passé dans des missions de formation des personnels d'entreprise. La deuxième partie, c'était la partie dispositif prévisionnel de secours, les DPS, avec des missions de sécurité civile complémentaires sur les inondations, la neige, les grosses catastrophes, mais aussi des gros, comment je dire ça, des postes de secours aussi, comme par exemple le LOSC, le football de la Ligue 1 en France, ou Valenciennes, puisqu'on est implanté déjà dans les deux grosses villes où on fait les manifestations. Et en solidarité, puisque c'est notre triptyque, hein, formation, secourisme, solidarité. Et la solidarité, on choisissait toujours un peu. Alors on avait commencé à travailler un tout petit peu avec Madagascar. Mais bon, d'autres collègues des unités UNAS ont pris Madagascar. Et nous, on s'est rabattu en disant, on fera quelque chose plus près de chez nous, qui en frais de transport nous permettra de faire plus d'activités à l'intérieur du pays même où on ira. Alors c'est vrai que, je veux dire, par rapport à la France, le Maroc est limitrophe, il y a des choses à faire, et en plus, les coûts sont réels. Quand on voit qu'on peut se permettre pour un billet à Madagascar, par exemple, d'envoyer 10 personnes au Maroc, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans les mêmes prix. Alors c'est un des avantages qu'on a, et ce qui nous permettrait en même temps de développer et d'amener du matériel, et de laisser le matériel sur site. Donc comme ça, au moins, c'était les trois actions qu'on avait à mettre en place. Et l'association s'est développée jusqu'à aujourd'hui pour être composée de 280 personnes, hein, en bénévoles, et on a 8 véhicules de secours et d'intervention qui commencent du véhicule, de commandement, en passant par la cellule d'hébergement où on a 100 lits de camp et une restauration complète à l'intérieur. Premier temps, j'étais sapeur-pompier. Hein, volontaire, mais j'étais postier aussi, puisque j'ai fait toute ma carrière à la Poste. Et quand l'association en 1971 a été créée au niveau de la Poste, de pompier à secouriste, c'est la même chose. Donc on s'est retrouvé, puisque c'était corporatif, c'était le travail, on s'est retrouvé dans le milieu secouriste du travail, et on a fait développer, on est parti là-dessus. Mais j'ai fait partie également pendant de nombreuses années d'un autre organisme que les Marocains connaissent sous le Croissant Rouge, mais en France c'est la Croix Rouge. Donc j'étais aussi secouriste chez eux, donc ce qui a permis quand même de développer non le sens de la formation, le sens de la communication, et puis de pouvoir développer également l'association maintenant UNAS Nord de France. يستفيد المنخرطون المتطوعون في هذه الجمعية من دروس وتمرينات في الإسعافات الأولية. عمل إنساني يساعد العديد من الشباب العاطلين على ملء أوقات فراغهم والاستفادة من تجارب الآخرين. On avait une équipe qui était en train de pratiquer l'entraînement sur le massage cardiaque, la pose du défibrillateur, la distribution d'oxygène, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. Quand on est jeune, on a toujours des passions. Hein. Donc les passions au départ, ça a été celle de sapeur-pompier, ça a été celle de porter secours
à autrui. Ça a été développé, et puis de fil en aiguille, je suis parti sur la formation, hein, ce qui est un des éléments les plus importants. Et puis, disons que c'est aussi de dire, ben voilà, je fais quelque chose d'utile, je le fais bénévolement, je le fais sans arrière-pensée, et je vais dire, si on veut, de notre côté, personnellement, c'est un enrichissement parce que tous les gens qu'on peut rencontrer, même s'il y a des moments, il y en a qui sont un peu tangents sur leurs principes et leur façon de voir, mais c'est toujours un enrichissement. Alors les difficultés, c'est surtout des difficultés, je veux dire, d'équipement, d'achat de matériel. Ça, c'est pas toujours flagrant. Hein. Il faut. Ce qu'il y a, c'est que si vous voulez. Les financements de l'association se font par rapport au travail effectué par l'association. C'est-à-dire que si on travaille, on a de l'argent, si on ne travaille pas, on n'en a pas. C'est un peu, dans certains pays, la même chose. Tu travailles, tu manges, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ben, pour l'association, c'est la même chose. Puis du développement, puisque ce que j'ai constaté, et là tout à l'heure vous en parliez sur le Maroc, mais on s'aperçoit que toutes les associations au Maroc sont solidaires l'une de l'autre. Ici en France, on a quand même des associations que s'ils pouvaient écraser la copine d'à côté, on n'hésiterait pas à lui mettre le pied sur la tête pour pouvoir bien l'enfoncer. Donc ça aussi, c'est une petite concurrence qui se fait, alors que moi j'ai une devise, c'est qu'il y a du soleil pour tout le monde, donc tout le monde peut vivre sur la terre. Premier conseil qu'on pourrait donner aux jeunes, c'est de dire, ben voilà, vous avez une idée, vous avez une force en vous, développez-la, rejoignez une association, travaillez avec elle, selon ses principes, ses réglementations, et puis développez-vous. Hein, puisque, je veux dire, à l'heure actuelle, les bénévoles de l'association, lorsqu'ils sont au chômage, sur leur CV, quand on voit qu'ils sont secouristes, qu'ils ont déjà conduit des ambulances, qu'ils ont des diplômes, ça fait toujours un plus sur le CV. Alors, ça peut être aussi un bien pour les jeunes. Hein, c'est pas du temps donné à perte. Et en plus, on a une chance, c'est qu'on a souvent une idée de dire que les jeunes sont mauvais, mais ils ne sont pas si mauvais que ça. استطاع هذا المهاجر المغربي ورئيس جمعية التضامن الأوروبي المغربي إقناع مسؤولي الاتحاد الفرنسي لجمعيات المسعفين والمنقذين بتوجيه جزء من أنشطته من المغرب في شكل شراكات واتفاقيات تعاون مع نظرائهم، كانت آخرها مع الهلال الأحمر المغربي. تعرفت على مسيو رامبا دونك لانه هو كيخدم على ميري ديال فيني اللي انا مستشار فيها وتعارفنا في هذاك الوقت وثم قدم لي هذاك لي بروجي ديالو الى اخره وثم انا تذكرت في المغرب مع بعض الجمعيات ومع بعض الاصدقاء اللي قالوا لي يمكن هذا البروجي نقدروا نخدموا فيه ولهذا جي سومي البروجي لجورج وبقينا كنخدموا عليه ومشينا للمغرب استقبلنا من طرف وزير النقل ثم من الكشفية المغربية ثم كذلك من بعض الجماعات ديال الورزازات وديال الدار البيضاء واللي مضى معاهم واحد الاتفاقيات وغادي يكون ان شاء الله البرنامج واقف على رجليه غادي يكون ان شاء الله في ديبي افريل اللي غادي يمشي جورج مع دوك الاطور ديالو وغادي ان شاء الله هي مصلحه غادي تكون الوطن بعدا اولا وقبل كل شيء لانها فيها تربيه وفيها تما مسائل اللي كنا فقدناها سنين هذه اللي بغينا ان شاء الله نرجعوها للمغرب وهذا شيء مفرح وحنا كما قال صاحب الجلاله حنا سفراء ديال المغرب فين ما كنلقاو شي حاجه اللي فيها مصلحه ديال الوطن تيخصنا نخدموا فيها بدون مقابل وثم الشيء اللي هما طرحوا عليه جورج هو ان يكون الممثل ديالهم في المغرب في وثم اللي نصحهم على شنو تيخصهم يديروا شنو ما خصهمش يديروا وهما متفقين لان غنكونوا واحد الجمعيه فيها التضامن ديال الجمعيه مع المغرب. Alors le Maroc, on a découvert le Maroc il y a deux ans en famille hein, puisqu'on avait des Marocains qui habitaient près de chez nous et qui pour l'histoire, tenait un restaurant en France et était reparti. On avait toujours promis d'aller leur dire bonjour. Donc on a déjà eu ce premier contact avec le Maroc. Et puis l'idée nous est venue de monter des opérations. Alors, je veux dire, pas des opérations dites humanitaires, mais des opérations qui rendent service et qui, je veux dire, moi ce que j'emploie toujours un peu le terme du chinois qui dit j'amène la canne à pêche, l'hameçon, et c'est le Marocain qui va pêcher. C'est ce que j'ai toujours dit quand on est allé visiter le Maroc. Et puis on a fait connaissance de l'ASEM, hein, la
l'association Solidarité Europe-Maroc. Et ça nous a permis de faire connaissance de Bouchaïb Arkati, hein, avec son association, et puis de prendre des contacts très importants lors de notre première visite au Maroc au mois de septembre. Alors le souvenir du Maroc, on en a quand même, j'en garde moi plusieurs points, hein, qui est un point, le premier point qui est un point de sympathie, qui est un point de, comment dire ça, de relationnel et d'amitié, hein, puisque on a eu affaire quand même à une population qui est demandeur de ce qu'on a mené comme projet. Alors on a eu l'occasion de visiter Casablanca, hein, Rabat, on est passé par Marrakech et on est allé à Ouarzazate, donc on a fait une bonne partie des grosses villes marocaine. Alors je veux dire, le projet c'est aussi peut-être les grosses villes, mais c'est aussi après de découvrir le pays par lui-même, les petits villages où je suppose que nos opérations et notre souci de développer le secourisme et amener nos connaissances va trouver une grosse importance, surtout dans le projet qu'on a avec nos amis marocains. On a quand même rencontré des gens demandeurs et des gens qui sont surtout respectueux de ce qu'on leur amène. Hein, moi, j'ai déjà vu des propositions faites au sein même de l'Europe et s'entendre dire « oui, ben, c'est bien, on verra dans 15 jours et après, on n'a plus de nouvelles ». Tandis que là, c'est vrai qu'on arrive à développer, on arrive à garder des contacts. Alors dans le futur, on va emmener du matériel de formation de secourisme, où on va commencer les premiers cours de secourisme de base, avec les scouts marocains. On va, dans le même temps, on va commencer aussi à faire un test sur la population qui sera présente au cours des formations, pour essayer d'avoir un public qui soit capable de devenir moniteur, et qui leur permettra, lorsqu'ils sont moniteurs, de former leurs propres concitoyens aux gestes du secours, avec notre aide toujours, et puis développer la deuxième partie du projet, c'est-à-dire amener dans les villages des mini-postes de secours, avec un brancard, avec une trousse de secours. L'idée du Maroc que j'ai, je veux dire, c'est une population qui demande qu'à se développer, qu'à apprendre, qui demande, hein, et qui surtout, je veux dire, amène vite la confiance et le respect envers la personne qui est en face d'eux. C'est un peuple qui demande et qui est demandeur et qui est capable d'accueillir les projets, qui est capable de les développer avec nous et puis d'aller encore plus loin, parce que une fois que j'ai l'impression, et c'est ce que j'ai ressenti, qu'on a leur confiance, on a la confiance jusqu'au moment où on va peut-être la trahir, mais je veux dire, on a la confiance, elle nous est donnée, elle ne nous est jamais retirée. Pour les Marocains qui sont en France, c'est de dire « on a besoin de vous, vous pouvez venir nous rejoindre dans l'association mixte, je veux dire ASEM et UNAS ». Pour les Marocains du pays, on arrive, on est là et on va pouvoir travailler ensemble, et j'espère qu'on aura des résultats qui seront aussi bons que ceux qu'on a en France.